Yo yo yo, on se retrouve pour une petite session entraînement tous ensemble. Bon, ben il y a Nafter, il y a Ryan, il y a Elan et tout, et moi-même. Bon, là on va y aller en mode cool cool cool, hein. En fait, là je vais pour. C'est de l'entraînement, hein. C'est pas du sérieux sérieux, c'est pas non plus que du fun. On va essayer de commenter justement pour corriger nos erreurs et tout et tout. Et Grégo qui dit qu'il sera là à 19h, 19h, 6h. Là, il est 19h chez moi, donc il parle dans 6h. Donc, bon, moi, je serais déjà parti, mais surtout, quel miracle pour Grégo! Qu'est-ce qui se passe? Il va à l'école et tout! Donc, ouais, on va y aller pour une petite session d'entraînement. Ben, je vais filmer les 3 matchs. Je pense que si j'enregistre plus, ça sert pas à grand-chose. Enfin, ça risque de bugger surtout. Espérons déjà que ça bug pas en plein match et que je me retrouve pas avec un écran noir à la con. Ça m'arrive des fois, là, je sais pas trop, c'est quand la clé est trop chaude. Enfin, bref. Donc là, on se retrouve avec. Oh putain, mort déjà. Oh, je l'ai raté. En fait, c'est pas le même coup, mais c'est moi qui prends. Okay. Bon, Elan n'est pas là, apparemment. Sinon, ah, c'est bon, je crois que lui, il a pris du temps. Il s'est défié à un autre endroit, il savait ce qu'était le mal. Bon, et là on a pris shake, il joue pas souvent shake. Enfin, il joue shake, il joue un peu tout le monde, mais il joue pas souvent shake. Zelda, la Zelda de Nafter est assez chiante. Bon, Ryan, Luigi, je l'ai pas souvent vu à Zelda. Yep, yep, on saute, on saute, on saute, mouton, mouton. Oh shit, je suis allé dans ce putain de smash. Enfin, ça a fait bouger cette light bob de son corps. Dans le sens où. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, on s'est placé juste au bon endroit. Juste au bon endroit. Et il est pas mort. Putain, il faut que je retourne terminer le travail. Ou quelqu'un va le faire. Bon, Nafter l'a fait. Ryan a 3 vies. Luigi, il est mort. Voilà. Il est venu, hein. Moi, j'étais en train d'analyser la situation. Bon, j'ai 3 vies. Je vais mourir. Les gens vont voir ma peau. Je vais vous dire que c'est assez chiant d'avoir 3 adversaires à combattre en même temps. Tous avec des styles de jeu différents, t'en as un qui surveille vraiment. Je ne dirai pas le nom, mais en gros, t'en as toujours un qui peut te choper si t'esquives les deux. Déjà que deux c'est chaud à esquiver. Oh joli ça, Ryan. Oh non, c'est. Oh. Bon, je fais de la merde là. Tac. Oh, Elan est déjà mort. Oh joli ça. Joli, franchement, il a bien placé et il a re-bien placé. En fait, maintenant ça devient presque évident de pas l'attaquer de front comme ça sur un bouclier. Alors, moi je vais l'attaquer si notre me laisse faire. Putain, mais le truc c'est que tu peux pas te couper d'un sans que l'autre vienne s'en mêler. C'est un peu chiant tout ça. Bon, alors, je préfère affronter qui? Non, mais en fait, je suis tellement dans la merde que je vais pas choisir mon adversaire. Je pense que je suis le prochain qui me. Essaye de. La distance. Qu'est-ce qu'il fait, Nafter? Occupe-toi de la personne dont tu t'occupais déjà, mec! Et oui, il y en a un à l'atterrissage. Bon, hop là. Alors, Luigi, bon, comment on élimine Luigi avant Zelda? Bon, je pense que je vais prendre Zelda. Mais bon, Ryan aussi est du genre à pas te laisser
finit en 1 à distance. Enfin, ça dépend. Ryan est lunatique, je trouve. Enfin, il change de stratégie souvent. Oh. Je peux même pas sauter ça. Oh. J'ai vu que Nafter me surveillait là. Si c'est pas Ryan qui l'avait arrêté, j'étais mort. Reste tranquille. Disons que tu restes loin. Envoie ton truc. Putain. Et ça me chope hein, là. Bon là je me suis protégé parce que je savais que ça m'aurait chopé là, mais voilà quoi. Ça me chope. Putain, il allait faire un bien. Oh ouais, yes, I. Putain. Mais non, j'étais en bouclier là. What the fuck. Bon bref. Bon ben voilà, par exemple un exemple de fail. En fait là, mon erreur c'est que j'ai mis mon bouclier, mais j'ai fait, enfin j'ai appuyé sur la touche directionnelle, donc ça a fait une esquive. Sauf qu'au début de l'esquive et à la fin de l'esquive, on est vulnérable sur la plupart des persos. Et là, du coup, ça m'a totalement niqué, alors que je pensais que, enfin. En fait, il y a des fois où le shield bloque et te laisse faire l'esquive après, tranquille. Sauf que là, c'est son attaque à lui, c'était une attaque en continu. Du coup, attaque en continu, ça veut dire que ça fait plusieurs tics, plusieurs hitbox. Et donc, ça a shieldé sur une première hitbox et ça a pris tout le reste dans mes dents. Je vais vous montrer quoi. Oui, donc on a dit entraînement. Ce serait bien de prendre quand même un main. Pas trop chaud, pas trop machin. Main, bof. Ness. Ness, il est mieux en duel, je trouve. Dans le sens où c'est plus facile de gérer une seule personne avec lui que 50. Et pourtant, il a des dégâts de zone, hein. Un piqué flash. On va essayer de placer un piqué flash dans cette partie. Quitte à perdre, hein. On n'est pas là pour faire du truc le grand game et tout. Hein. On est là pour faire des petits trucs sympas. Et voilà. Hein. Là, on va voir. Là, on attend Ryan et Elan du coup. Ouais. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant? Parce que c'est pas que, mais on n'a pas une vie devant nous. Bon, ça y est, ils sont là. Tep-tep. Alors, faut savoir que ça. Ça, comme ça. Tec. Ah non. Inès, en fait, il semble la glace un peu des fois, et pourtant il ne l'est pas tant que ça. Hein. C'est un perso rapide sans être. C'est pas Sonic, quoi. Par exemple. Ou c'est pas Fox. Il a vraiment des lags, peut-être. Ouais, du landing lag plus que Lucas, en tout cas. Hop là, restons tranquille. Alors, Elan a pris son Mario. On a toujours Zelda de Nafter. Et on a toujours Luigi, donc on a les frères Mario Brothers. C'est quand même chaud pour Luigi d'être Mario Brothers, quoi. Ah putain. Voilà. Allez, remonte pas. Putain! Normalement, on aurait dû pouvoir faire nos mouvements en même temps là. Le back arrière, on l'a lancé en même temps. Mais bon, celui de Mario sort plus vite. Putain, Luigi vient de sauver Mario, ok. Et Mario s'est suicidé, moi-même j'ai pas pu remonter. Et la plus grande faiblesse de NES, son recovery est vraiment pauvre. Très facile à rater. Et il couvre pas autant de distance que celui du cas, quoi. Reste tranquille. Brûle. Oh putain. Nafter qui reste un peu à distance avec son Z. En gros, il a survie. Reste tranquille, ne fais pas de back air, mais créa. Oh joli, ça y est.
Bon, il a déconné après. Hein. Putain, il a eu le temps de se shield déjà, quoi. Mais j'ai fait une esquive. Enfin, c'est ce que je voulais faire. Ok, donc en fait Mario s'est pris mes dégâts et Luigi, lui, il a, pendant que Mario était stabilisé, on va dire, enfin qu'il était bloqué, il a fait son smash. Il nous a pris tous les deux, mais j'avais pas les dégâts de Mario, du coup, moi je suis pas mort, c'est tout. Je crois que le smash bad de Luigi fait beaucoup moins de dégâts que celui de Mario. Je suis embarrassé avec Nafter. Ok, Nafter c'est bien. Apparemment c'est cool. Putain, embarrassé avec Nafter, je t'ai dit. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui t'attaque dans le dos, d'une TP qui arrive de n'importe où par exemple. Putain, bon. Ok, super. Je l'ai sauvé du... Bon. Ok, on a éliminé là. Enfin, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Là, on était occupé sur Luigi. Ok, un peu de fire. Vous avez remarqué que Nafter redirige tout souvent son feu de orange. Non, c'est pas orange. Putain, j'ai oublié le nom. Enfin, en gros, il le dirige pas sur moi, quoi. Il sait que je vais sûrement tenter de l'absorber. Enfin, moi-même, je sais que je vais pas forcément y penser tout de suite. Ça dépendra à quel point je suis au calme. Voilà, là, par exemple, j'y pensais. Mais c'est clair que je vais pas y penser tout le temps. Bon, je crois que je vais pas pouvoir me débarrasser de Nafter tant que je me serai pas débarrassé de Luigi. Et ça. Putain, je vous laisse match, je crois que je ferai même pas. Vous avez vu qu'il m'a bien suivi là. Il a vraiment anticipé mon esquive. Et ce smash là, ce smash pro, il est vraiment problématique avec Zelda. Enfin, c'est vraiment son kill move. Hein. Putain, j'ai beau anticiper. Ouais, pour l'instant ça va, mais j'arriverai pas à le finir. Je peux faire que des mouvements rapides. Et ces mouvements rapides ne tuent pas tant que ça, quoi. Putain, tout ça là pour choper avant. Enfin bref. Ouais. Putain, mon smash pool n'est pas sorti assez vite. Et là, je vais mourir. Je me suis fait avoir. Ok, ça c'est cool. Voilà. Là, il a dû hésiter sur un truc et il pensait que j'allais refaire trois fois la même chose, peut-être. Mais en gros, là, je l'ai eu par surprise, mais de justesse, hein, j'allais... Franchement, je me voyais perdre, là. Mais en gros, voilà comment on voit ses erreurs et tout. Alors, dommage pour Mario qui s'est fait éliminer vite, je trouve. Sinon, Luigi, là, il s'est bien débrouillé avec Ryan et tout. Ryan s'est bien débrouillé avec Luigi. C'était sympa. Donc là, franchement, je devrais reprendre NES. Pas par rapport au match-up ou quoi, mais peut-être juste pour vous montrer comment on change un peu de jeu. Parce que là, je crois, faudrait compter, mais je crois les piquets fire, j'en ai fait, enfin, fait de toucher, j'en ai fait peut-être 6. Hein. Bon, 6 dans une partie en 5 minutes, quoi, c'est pas énorme. Bon, là, on a une Zelda. Zelda, c'est très chiant. On va prendre le villageois, monsieur mignon, hein.
Alors ouais, du coup, comme je suis en train de commenter, je regarde pas forcément ce qui se dit sur le groupe en ce moment. Bon, il se dit pas grand chose. Il a dit no way and after parce que... qu'il a été surpris, quoi. Moi-même, c'est pas un move que je fais d'habitude, quoi. Donc j'ai changé au dernier moment. Enfin, si on peut dire ça, quoi. Je peux pas dire non plus que... Ouais, voilà, je le sentais bien, machin, quoi. J'ai tenté, quoi. Ryan a pris... il a pris Ike. Je pense pas qu'il va faire un super truc avec. Après, tout le monde peut se débrouiller. Le match-up ne veut rien dire. Bon, je vais monter. Oh, ça a pété mes ballons à travers ce putain de mur. Ah là là, fuck ce jeu de fois, ça m'a dit. Les ballons n'étaient même pas au-dessus du putain de sol. Enfin, je trouvais pas. Hein. Après, à revoir sur la vidéo, ralenti. Lag compensation, peut-être. On verra bien. Oh, Zelda. On va remonter en paix. Oh, oh. Ike était immune. Est-ce qu'on est immune? Ouais. Si, il tente de revenir. Oh. C'était bien tenté. Et franchement, il s'est bien placé. Il s'est bien passé. S'il avait eu la distance, c'est pas moi qui l'aurais tué, quoi. Joli ça. C'est une bonne utilisation de Kirby. Ne te téléporte pas, bitch. Oh merde! Oh merde, je suis remonté dedans, quoi. Oh joli. Vous n'avez pas eu le temps de l'en prendre. Oh bon. Ah moi, il me voit là. Oh! Tu as fail, ça TP. Du coup, comme je disais, là, il me voit. Il est mort. Bon. Ryan a profité, j'ai envie de dire. Il était bien placé, il a eu le temps de smasher. Après, il y a un perso fait pour smasher à toute puissance. S'il est bien placé, il faut qu'il le fasse, quoi. C'est pas un perso qui rivalise en vitesse, hein. Oh, joli ça, joli. Il a bien anticipé. Je sais pas s'il a fait par juste réflexe parce que... Ouais, tu vois des réflexes que t'as comme ça par rapport à d'autres jeux, d'autres joueurs, mais... En tout cas, il a rien anticipé. Là, il prend l'avantage, hein, tout, hein. Il pourrait même le tuer. Oh, on voit. Putain, je regardais plus Ryan. Oh, putain. Regardez qu'est-ce que Kirby faisait là, s'il ne faisait pas un truc gênant. Et voilà. Toujours regarder. Vaut mieux regarder ceux qui sont sur le terrain dans un match à 4. Ceux qui peuvent essayer de vous tuer, quoi. Pensez à votre survie avant de penser à tuer des gens. Enfin, moi, c'est mon conseil. Après, chacun son style. Hein. Chacun voit comme il le sent. Putain, ça va planter cette putain de graine. Ah, le villageur. Ike a beaucoup de dégâts de. C'est chaud quand même, hein. Il fait du bon truc avec son Ike. Putain, je voulais pas que ça explose. Ouais, il a bien tenté, hein. J'aurais pu. Putain, ce truc qui te touche alors que t'es derrière le mec, c'est un truc vers le haut, quoi. Oh, oh, quand même, un peu de logique, non? Ah, il va faire beaucoup de dommages, c'est ça? Oh, putain, en plus, il esquive bien. Oh, j'aurais voulu qu'il tente de m'enterrer.
que c'est ce qu'il allait faire. Putain. Bon, là il faut profiter en fait des temps morts où il fait des smash. Enfin, ses attaques c'est beaucoup de lag. Putain, par contre mon pied va pas tenir. On va prendre du recul sur la situation. Il a tenté. Je le voyais venir. Mais je doutais que ça allait pas marcher. Putain, par contre là, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis dans la merde. Ok, super, le parapluie. Bien sorti. Putain, mon double saut est pas passé à cause du lag là. Double sauter pour faire un truc sale. Oh putain, c'est n'importe quoi là. Ok. Putain, je voulais pas descendre. Qui vaut la gile là. Bon, du coup moi je commence à faire, ça m'étonnait que je gagne ce match. Exactement. Bon ben GG à lui, franchement il avait l'avantage, il a tenté de me tuer comme il fallait. Et cette hitbox un peu vite fait quoi, hein. Ça fait la longueur de son épée un peu plus hein, je trouve. Mais GG à lui, franchement il a bien géré son match. Bah c'est lui qui m'a kill 3 fois quoi. Il a eu raison, GG. Et voilà, ça fait 3 matchs. Je pense que je vais couper et reprendre pour une autre partie. Et on verra après qu'est-ce que ça donne pour d'autres games. Allez, à bientôt, abonnez-vous.